Le repas c'était des troubadours, non? C'était des mâles de commune de ça. Celui-là, va voir quel bois je me chauffe. Depuis que son père est parti, mais son âme, je peux plus rien en tirer. Heureusement que j'ai ma petite Marie qui est toujours propre à la tâche. Elle a encore lâché la piole. Enfin, c'est vrai qu'elle a un capot sur les os de la queue. Mais elle est bien serviante, bien gentille. Ah ouais, mais que veux-tu avec ce que je gagne et toutes les taxes qui nous tombent dessus? Mais j'ai pas grand-chose pour faire cuire ma marmite. Oh. Et dis-nous, Maldison, c'est pas ta maîtresse, un petit fête, afin de lui gracier Maître Pérec, j'aperçois là-bas de bon matin. Voilà bien la source de ce duel. Le roi Henri et Diane de Poitiers. Faites grâce, pour l'amour de Dieu. Il se vide de son sang. Prenez-le aussi. Vous avez fait votre devoir, Jarnac. Votre honneur vous est rendu. Qu'on enlève le seigneur de la Châtaigneraie. Nous sommes au bord de l'insurrection. Si le comte de la Châtaigneraie ne passe pas la nuit, les partisans des deux camps risquent de s'affronter vivement. Et pourtant, la botte de Jarnac était tout à fait dans les règles. C'est un homme de bien et de courage. Je vais reprendre. Thank you.
Reims, le roi va maintenant prêter serment. À nous évêques, hommes d'église et à toutes nos églises, de conserver le privilège canonique, loi et justice. Nous demandons aussi de nous garder et défendre comme un roi est tenu de le faire en son royaume. Je vous promets et octroie que, à chacun de vous et aux églises à vous commises, je garderai le privilège canonique, loi et justice. Et de mon pouvoir, Dieu aidant, vous défendrez comme un roi et tenu par droit en son royaume. Seigneur le prince de Ferrare, Montgomery, Dites le mot. Viens.